Jean-Marie Cléry et donc Gaëtan Mayor. Et donc le projet qu'on est en train de développer s'appelle l'Infocid. Donc c'est un jeu tout simplement basé sur les mathématiques et le calcul des calculs. Et en fait, le principe, ça va être de jouer avec des cellules, donc des cellules qui vont devoir combattre des virus. Et le principe est tout simple, c'est que chaque cellule et chaque virus sont des entités qui vont avoir des numéros qui leur sont assignés. Et on va devoir calculer les cellules entre elles pour réussir à trouver le bon numéro qui va pouvoir correspondre au numéro d'un virus et pouvoir le tuer. Donc si j'ai deux cellules avec un 5 et un 5 et un virus qui vaut 10, je vais pouvoir prendre la cellule 5, la glisser sur la deuxième cellule pour qu'elle fusionne et créer une cellule 10, faire une addition par exemple. Et après, on va décliner en faisant plusieurs types d'opérations comme la multiplication, la division. D'accord, vous êtes combien dans votre team? On est 4 développeurs en fait. Ce que j'essayais avant, le projet nous plaisait, donc on a choisi de le faire. Vous bossez sur quel techno? HTML5, JavaScript, avec des outils qu'on a fait au fil du temps via nos expériences précédentes. D'accord, vous comptez le développer sur Vim? C'était l'objectif en fait, donc là on démarre comme tous les projets sur PC pour pouvoir débugger tranquillement et à terme, vu que le HTML est une technologie, enfin HTML5 en tout cas, est une technologie assez, qui peut se transplateforme, voilà. on peut le mettre assez facilement sur un peu tous les devices, donc l'objectif c'est de le porter sur mobile, sur tablette, maximum de support. On a les outils pour le faire. Donc, vous avez passé la nuit, enfin combien d'heures vous avez travaillé déjà sur le projet? On a commencé un petit peu tard, sur les coups de minuit, le temps de bien se roder sur les mécaniques, etc. On a dormi de 6h à 9h. Voilà, et puis depuis, on est toujours dessus. Un petit mot pour motiver les gens à voter pour vous et pour le Téléthon? Ouais, bah alors moi je pense que, c'est normal, c'est mon projet. ça faisait un petit moment que j'avais ce projet en tête et on a essayé de faire un truc sympa basé sur le calcul, etc. Donc à la fois donner un côté ludique et un côté éducatif en cabinet. Et donc du coup, là, je pense que ça peut être vraiment fun parce que j'avais déjà sorti un prototype qui avait déjà beaucoup plu. Et donc là, on est en train de bosser activement sur une nouvelle version tactile. Et je pense que ça peut être très intéressant à tester, etc. Donc suivez le blog Be My App, tapez Be My App Téléthon, et votez pour le projet L'Infocid pour soutenir le Téléthon. Et puis si vous aimez notre idée, n'hésitez pas à la partager, voilà, ça nous fera plaisir en tout cas. Donc qui bossons dessus H24 pendant ce week-end. Voilà, merci beaucoup. Merci.